D'abord, on monte nos papiers, on monte patte blanche, on passe des lignes grises, on passe comme dans les aéroports sous le portique, on repasse une grille, on remonte nos papiers, on repasse une deuxième grille, enfin, et puis après une porte, tout ça qui se rouvre, qui se ferme derrière toi. Tout ça, c'était un peu quand même, pas difficile à vivre, mais c'est impressionnant, quoi. Toutes ces barrières à passer, tout ça, bon, il fallait qu'on voie une première fois pour se rendre compte, quoi, que c'était pas si terrible que ça de rentrer en détention, quoi. Ce qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est la confiance. La confiance que certaines des personnes qu'on rencontre nous font un peu d'emblée, parce qu'on est l'aumônerie catholique, ils nous font confiance. Miraculeusement, c'est un détenu qui est venu me voir. Il a vu que j'étais pas très à l'aise. Il est venu et très gentiment, il m'a demandé d'où je venais, mon prénom. Alors bon, je suis restée vague, mais voilà, on a commencé une conversation. Puis après, assez naturellement, il a parlé de lui et voilà, de sa vie en détention. En fait, c'est le détenu en question qui m'a mis à l'aise la première fois. J'ai trouvé ça assez marrant. Quand je suis arrivée à la retraite, il y a trois personnes que j'estime beaucoup qui m'ont dit ah, tu devrais aller voir du côté de l'aumônerie de prison. Je te verrai bien. Bon, je me suis dit ça ressemble à un appel quand même. Donc, je me suis dit je vais aller voir et je suis venue voir et j'y suis encore. L'évêque de l'époque m'avait dit Denise. Ça serait bien que tu ailles en prison. Et je crois lui avoir répondu, mais comme ça, jamais de la vie. Jamais de la vie. Ça fait suite à un appel, hein. Comme tous les engagements que j'ai pu avoir au sein de l'Église. Pour vivre ma foi, je réponds à des appels. Une réponse à un appel, quoi, voilà. Alors, notre présence en prison, c'est humanisé. Voilà. On essaie d'humaniser ces lieux et regarder ces détenus comme des gens comme nous, parce qu'ils sont comme nous. L'Esprit Saint nous précède en Galilée. Donc voilà, moi j'ai vraiment l'impression qu'il nous précède en Galilée et qu'il y a des cœurs et des portes qui s'ouvrent. Derrière les portes fermées, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent dans des chemins vraiment difficiles, heurtés. Mais il y a vraiment des choses vraiment très importantes et j'ai vu, oui, j'ai vu des personnes évoluer, prendre conscience de ce qu'elles avaient fait, du tort, du mal qu'elles avaient fait, demander pardon. Ce qui me marque finalement, c'est que ce voyage n'est pas que dans la rencontre des gens, c'est aussi le voyage qu'on fait intérieurement. Moi, je pense que depuis 9 ans, grâce aux détenus avec qui je partage et qui ont la gentillesse de partager avec moi, je pense voyager, faire un voyage intérieur. Les victimes, je crois, on ne les oublie pas. Enfin, je ne peux pas les oublier parce que je suis aussi des contacts avec certaines personnes qui ont subi des choses pas faciles à vivre et elles sont là dans mon esprit, elles sont là dans mon cœur. Mais de toute façon, on sait qu'il y a des victimes, mais on ne peut pas les oublier. Moi, j'y pense souvent. Quand c'est possible, on essaye de les faire exister. Mais elles sont présentes dans notre pensée, dans notre cœur et dans notre prière. Et pour moi, ce qui est important à travers l'aumônerie, c'est que nous n'oublions pas cette part des chrétiens de la ville. Parce que pour un certain nombre d'entre eux, ils sont, de Fleury, au moins pour un temps de leur vie. Et nous n'avons pas à les oublier. La vie d'équipe, la vie avec les gars, ça me fait vivre en tant que chrétien. Donc ne nous oubliez pas et surtout, c'est une expérience de foi, c'est une expérience de foi brute. On est vraiment dans une confession de foi profonde et directe. Alors, on est en équipe d'aumônerie, on est envoyé en équipe. C'est vraiment très important parce que on vit des choses quand même aussi un peu particulières. Et donc, c'est pouvoir important de partager avec les autres. Venez voir en tant que chrétien. Venez participer. Il y a des rencontres les dimanches, des rencontres le samedi. Vous pouvez venir, prier, partager et vivre une célébration avec eux.